Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de salade à la cantine et je vous jure je vais pas vous raconter de salade. Donc on a quatre sortes de salade ce matin, on a de la feuille de chêne, de la batavia, de la laitue et de la feuille de chêne rouge. Alors en restauration collective classique, normalement c'est 3 bacs de trempage pour la salade. Un premier bac avec du chlore ou du vinaigre, un deuxième bac de l'eau claire et un troisième bac de l'eau claire. Et après, la dernière étape, c'est évidemment l'essorage. Donc, il ne faut pas hésiter à la mettre à essorer longtemps la salade. Et si jamais vous retrouvez malheureusement encore une chenille dans votre salade, c'est une survivante. Donc voilà, on pardonne, ça peut. Voilà, l'erreur est possible. Alors, de là à dire que la salade est un produit de saison, je ne suis pas sûr. Il faut savoir que la saisonnalité, c'est apprendre quand même, c'est un terme à prendre avec des pincettes, c'est comme la localité. Mais dans la plupart des restaurants, des cantines, il y a toujours de la salade même en hiver, alors que ça pousse sous abri la salade. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est de la salade de saison et qu'on respecte la saisonnalité quand on fait de la salade? Je suis pas sûr. Alors sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit.